Deuxième victoire pour l'Australien Simon Gerrans qui endosse le maillot jaune. Sa formation Orica a réalisé le meilleur temps au Gersandiar. Après la victoire d'étape hier, Simon Gerrans endosse le maillot jaune. Les coureurs de la formation australienne Orica Greenedge créent la surprise en s'imposant lors de ce contre-la-montre par équipe. 25 km sous forme d'un aller-retour, une sorte d'idéal pour les machines à rouler. Gerrans et les siens l'emportent en 25 minutes et 56 secondes, soit une moyenne de près de 58 km/h. Belle prestation de l'équipe Omega Pharma, championne du monde de la discipline. Les coéquipiers de Sylvain Chavanel terminent à une seconde des vainqueurs. Le Français en profite pour prendre la 5e place au général. La promenade des Anglais, elle, n'aura pas porté chance aux Britanniques. L'équipe Sky termine à 3 secondes de l'équipe du nouveau maillot jaune, malgré une bonne prestation du favori du Tour de France, Christopher Froome. Froome qui ne compte que 6 secondes d'avance sur son grand adversaire, l'Espagnol Alberto Contador.